Assurer une protection durable des eaux souterraines, c'est l'objectif d'un projet pilote qui vise à préserver les forêts filtreuses d'eau. Un projet qui a permis la signature d'une convention, notamment avec le CIDER, le service intercommunal de distribution d'eau potable de Rolles et environ. Avec nous, son président Cédric Echenard. Bonjour. Bonjour. Alors l'importance, il faut le rappeler avant toute chose, l'importance de cette filtration naturelle qui sont nos forêts. Tout à fait. C'est quelque chose qui est insoupçonné du grand public. L'eau souterraine en milieu forestier est d'une qualité qui approche la pureté et on peut pratiquement la boire sans un traitement ultérieur. Donc à Bursin, nous avons construit un nouveau réservoir qui a permis de récolter toutes les eaux de source qui allaient au trop-plein, surtout dans le village de Bursin, et de détruire des anciens ouvrages qui ne répondaient plus aux normes, qu'il a fallu rénover à des coûts énormes. Donc, c'est en faisant cet ouvrage qu'il y a 12 sources qui regroupent les villages de Gilly, Bursin et Vinzelles que les milieux forestiers nous ont approchés. C'est un projet qui date de plusieurs années de l'inspecteur forestier, M. Trebeau. Et tout projet demande quelques années avant sa mise en place. – Évidemment. Alors là, ce qui est important dans le cadre de cette étude, c'est évidemment l'interdépendance des fonctions qui sont assumées par, d'un côté, les propriétaires, les exploitants, et de l'autre, les distributeurs d'eau. C'est un travail en commun. – Tout à fait. La législation nous oblige, par l'autocontrôle, à contrôler les autres sources en milieu forestier. Les fontainiers, qui sont les professionnels de l'eau potable, doivent aller sur place. Par contre, on a aussi les gardes forestiers qui sont tout le temps aussi en forêt. Donc, on a voulu lier l'utile pour permettre à économiser chacun les forces en ressources humaines parce que le fontainier ne contrôle pas que les autres sources en milieu forestier, mais d'autres sources. Et c'est par l'approche d'un partenariat qu'on a pu mettre le contrôle en place. – Alors, les éléments qui vont être mis en place, parce qu'il y a des petites choses, hein, justement concernant notamment ces exploitants, qui vont être mises en place. Alors, il y a notamment, par exemple, planter davantage de feuillus, mais il y a des choses peut-être qu'on ne s'attend pas forcément, c'est lié, par exemple, à l'huile qui est utilisée pour les tronçonneuses. – Exactement. Alors ça a déjà été mis en place dans le cadre du Sidéré en janvier 2017. Donc ça fait pratiquement 18 mois qu'on a cette convention fonctionne. Et c'est l'utilisation des machines, notamment les tronçonneuses. Donc bien sûr, les tronçonneuses, tout le monde a déjà utilisé des huiles biodégradables pour éviter d'abîmer le milieu forestier parce qu'il faut éviter de polluer les sources. Mais on a été plus loin en mettant cette convention en place, quelque chose qui soit vraiment dans la loi, qui soit inscrit. Ça se faisait par les connaissances et tout, mais maintenant c'est quelque chose d'une contrainte. Bien sûr, qui dit contrainte dit plus de mise en place au niveau du matériel à apporter. Alors, c'est le Sidéré qui participe financièrement à ce matériel, donc simplement la tronçonneuse accompagnée d'un réceptacle en plastique et puis aussi de produits absorbants en cas de s'il y avait débordement. – Oui, alors on le voit là, vous êtes venu avec une carafe, avec des gobelets. Juste boire l'eau du robinet, juste ça, c'est un geste qui pour nous est évidemment naturel, mais l'accès à l'eau potable, est un enjeu majeur de ce 21e siècle. – Alors tout à fait, et puis Madame de Quattro qui a piloté aussi le projet, parce que ça vient quand même de l'État. – Oui, la conseillère d'État en charge. – L'a rappelé, l'eau c'est la matière, c'est l'or pour nous, pour la suite. Quoi. Donc il faut vraiment le protéger, parce que l'eau potable, si on n'a pas besoin de la traiter pour la boire, c'est aussi des coûts au moins pour tout le monde. – Oui, il y a des éléments économiques évidemment qui entrent en jeu. On profite de votre présence, vous êtes aussi municipal rollois, pour faire un point sur le chantier des Grandes Buttes à Rolles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? – Alors… le chantier, il va démarrer le 4 juin prochain, en tout cas pour les travaux des services communaux. Donc, c'est le remplacement des canalisations en souterrain pour la rue du Temple. Donc, c'est entre la Grande Rue et les Grandes Buttes. Et puis, sous la ruelle des Jardins, en traversant la place du marché. Donc, ce chantier va impliquer la suppression des 55 places de parc situées au centre-ville de Rolles, la place du marché. – Ce qui fait que, notamment, les commerçants sont particulièrement anxieux. – Tout à fait. Alors, la municipalité avait imaginé l'année passée de faire un transport de navettes électriques, puis un parking délocalisé, puis d'amener les visiteurs, les habitants, les citoyens au centre-ville par des navettes. Ces navettes avaient deux défauts. C'est qu'elle ne fonctionnait pas le week-end, en tout cas le dimanche et la nuit. Le coût aussi était quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Mais surtout, c'est produit révolutionnaire, homologation
pas à la disposition avant le mois de septembre. Donc on a dû trouver quand même des solutions alternatives et on a mis en place des parkings délocalisés dans le secteur. On va pouvoir rendre à partir du 4 juin 66 places sur les 55 places qu'on supprime. Et une dernière chose avec vous, vous allez ajouter une nouvelle casquette à vos différentes fonctions, vos différents mandats politiques. Là, c'est député au Grand Conseil, l'assermentation aura lieu le 3 juillet. C'est une étape, j'imagine, importante dans votre parcours politique. Alors, tout à fait, c'est aussi une belle surprise. Je ne m'attendais pas que ce soit aussitôt. Je m'étais mis dans la liste l'année passée. Premier 20 ans suite sur la liste du Parti Socialiste. Voilà, ma camarade Fabienne Frémont-Canton est entrée au conseil d'administration de la BCV. Donc, j'ai accepté d'aller au Grand Conseil. Alors, je dois réorganiser ma vie politique, surtout le côté professionnel. J'ai obtenu aussi un accord pour pouvoir baisser le taux d'activité. Et ben, le sidéré, je suis le président, mais je vais remettre ma présidence le 21 juin prochain lors du conseil intercommunal. Et il y aura une élection à la nouvelle présidence. Cédric Echenard, un grand merci pour votre présence. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le débat. Il sera question de mobilité, troisième voie autoroutière entre Nyon et Genève. À tout à l'heure. Merci.